Bonsoir, Vlogmas 21. Alors je vous vois déjà venir, mais non, j'ai pas fait d'excès, pas d'abus hier, j'ai quasiment pas mangé, j'ai pas bu, j'ai même pas pris trop de dessert. Vous l'avez vu de toute façon au moment où j'ai clos, j'ai fait des progrès. Le vlog, je commençais à pas être très très bien, mais alors ce matin au réveil, mais oh, la grande cavalcade. Migraine, nausée, ça m'a pris pendant 1 heure. J'ai pris paracétamol combiné, j'ai attendu que ça passe plus ou moins. Du coup, il fallait que je monte le vlog parce que je vous ai dit un vlog par jour et je veux m'y tenir. Cette bougie n'est pas droite et ça me perturbe. Ah, je suis vraiment un boulet, je me suis trompée. J'ai pris celle aux céréales salées avec la confiture. Pas terrible, mais bon. Je vais monter ça, ma petite dose de vitamine hein, pour me remettre bien. J'ai une meilleure mine là, non? Ça m'a fait du bien de me laver, me préparer. 14h. Mais au moins, j'ai pu faire tout ce que je voulais. On va passer au calendrier de l'Avent. Alors, commence à connaître. Ma maman, elle a eu une crème pour les mains, que j'ai eu encore dans une box, au géranium, il me semble. Donc, c'est un beau flacon. Quant à moi, ça se passe ici et j'espère que ça ne sera pas une miniature comme hier. Allez, le petit 21. Oh, j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va être une miniature parfum. Attention, c'est parti. Ah, mais si! Oh, on dirait un prisme. Je viens d'identifier la nuit trésor. Oh, c'est joli comme tout. Je vais pas le sentir hein, parce que je voudrais pas que ça me relance la migraine. Je le mets là avec les autres. Et bah, ça me plaît. Est-ce qu'on voit? Je vais essayer de me poser là pour papoter 2 minutes. En ce moment, il m'arrive, ça fait 2 fois que ça m'arrive, je reçois donc des messages de marques, peu importe, me disant on aimerait beaucoup travailler avec vous, que vous présentiez notre produit ou bien notre box. Et on va dire, donc c'est une question, hein. 1 heure juste après, je vois votre livraison, donc bon de commande, sans attendre ma réponse, automatiquement ils me l'envoient. C'est un peu du forcing et... Sans se demander si peut-être que l'influenceuse est débordée, elle n'aura pas le temps, donc c'est un coup à ce que ouais, tu reçoives le produit et que du coup bah, tu ne présentes pas en même temps, t'as pas donné ton accord. Donc voilà, je trouve ça assez moyen et surtout ça fait 2 fois que ça m'arrive. Mais que voulez-vous? Je suis vraiment en train de me demander, parce que on va dire que ça va un petit peu mieux et comme il faut que je m'avance pour la chaîne des box, j'ai 2 box qui attendent d'être présentées, celle de décembre. Et je sais pas pourquoi, je sens que toutes celles de janvier, elles vont arriver d'un coup, genre même avant la date, donc un peu avant janvier, et je vais me sentir débordée, submergée, donc je pense que je vais anticiper. Comme c'est une petite accalmie au niveau de la migraine, on peut dire qu'il n'y a même plus, ça marche vraiment bien à chaque fois que je fais ça. Et la nausée, elle est là, mais c'est gérable. Donc je vais m'y mettre. Je vais me changer parce que, je sais pas, c'est bof. C'est mignon, mais peut-être pas pour présenter. I'm ready to presentation of Evidence Box, je crois que je vais faire. J'adore cette robe. Je sais que quand je l'avais présentée, certains m'ont dit « Oh, j'aime pas et tout. » Mais moi, je kiffe. Hein, au niveau du haut, j'adore. J'hésite toujours à ce que je mets mes lunettes ou pas. J'en sais rien. J'ai un peu forcé sur le rouge. Pour que ça intensifie, vu que je mets plus d'éclairage, il faut que je charge un peu plus au niveau des lèvres. T'as toujours... Un truc qui va pas là, c'est une mèche ou... Oh là là. Attends. Ah non, non, elle va m'emmerder en fait. Ouais non, je vais mettre mes lunettes en plus, j'ai des cernes et tout, allez. Ah si, il y a des reflets, c'est pas grave, écoutez. L'important c'est pas moi, c'est ce qui se trouve dans la box, ok? Allez, go. Et voilà, qui c'est qui a terminé? C'est moi. Alors, je m'emballe, je suis contente, mais j'ai encore tous les close-up, montage... Publication, mais bon, je pense que ça va le faire quand même. J'ai envie d'utiliser mon tabouret pompon blanc. Je pense que ça sera bien dans le thème. 3h45, je fais une pause. J'ai faim. Mon ventre vient de se réveiller et j'ai très très faim. Lui aussi, la faim. Je sais pas trop ce que je vais prendre. Je vais faire un truc hyper copieux parce que sinon, soir, je mangerai pas. J'ai bien avancé. C'est en train d'uploader pour la chaîne des box. Petite vidéo sympa. J'ai super envie de me faire une soupe et comme c'est pas conseillé le soir, je pense que 4 heures c'est un bon compromis. Voilà, je vais ajouter des croutons et puis un peu de chèvre et de la mâche. Peut-être au dernier moment hein, parce que sinon on va cuire. Il n'y a pas vraiment d'heure pour manger de la soupe. Hein. Je vais allumer peut-être pour que ça fasse une ambiance un petit peu plus chaleureuse. Ça me fait plaisir moi que vous
appréciez les petites interventions ponctuelles d'Eric, mais encore une fois, c'est son choix de ne pas apparaître sur les vidéos, tout comme ma fille, voilà, parce qu'il est enseignant. Ce que je peux dire, c'est qu'il est, ouais, il est prof en lycée, et il préfère garder l'anonymat, comme on dit. Non, non, mais je respecte totalement, et bon, bah voilà, donc, ponctuellement, c'est vrai que vous voyez des bribes, vous voyez des petites choses, et puis surtout, vous l'entendez, c'est déjà cool. J'ai l'impression que ça a sonné, non? Oh là là, alors ça, mais ça me donne vraiment envie. J'ai déjà mis du chef que j'ai fait chauffer. Là, je saupoudre, je sais jamais comment on dit. Comme ça. Ici, un petit peu de roquette et de mâche. Je vais me poser tranquillement. Je regarde pas la télé. Je ne regarde jamais la télé la journée, moi. Déjà, je regarde très rarement la télé, hein. C'est que les séries. Je vais regarder des petites vidéos. Même si je vous ai déjà dit que ce que j'aimais regarder, bah, c'était les vlogs. Ça me divertit et c'est pour ça d'ailleurs que je fais du vlog, parce que j'ai conscience de l'impact et de l'effet que ça a sur les gens. Voilà, même si ça dure 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, parfois plus, parfois moins. C'est des petits moments de vie qui sont plutôt appréciables et j'aime faire ça, donc j'aime les regarder. Donc je vous dirai un petit peu qui je suis. On va dire quotidiennement ou de façon régulière. Je suis dans le bureau de papa. Parce que papa, il est en vacances. Eric, t'es content? Oui. Il est tellement en vacances qu'il vient de s'allonger, il n'en peut plus. Bilou. Et lui, il est venu nous voir. Pourquoi t'es venu nous voir, mon Bilou? Ah, mais oui. Regarde, 17h. 17h20. Il a vraiment une horloge dans le ventre, hein, ce gars-là. C'est l'heure de la croquette? Oh oui. On va où en fait? Juste acheter deux trois bricoles à grignoter. Non, pas grignoter. Ce soir, on a beaucoup de plaisir de t'offrir. C'est joli, ça fait une ambiance sympa, je trouve quand même. Et est-ce que vous avez vu le soir dépasser tous les arbres qui scintillent comme ça sur la place, dans les arbres? C'est très très beau. Il trace le Eric là. Ça fait du bien de prendre l'air, j'avoue que. Pas encore vraiment ça, hein. J'espère que demain ça ira mieux. Voilà, bon. On a le sopalin. Ça part tellement vite le sopalin aussi, je comprends pas. Le monsieur pour l'ordinateur a téléphoné. Et qu'est-ce qu'il a dit? Demain. Demain. Demain, son ordinateur sera prêt. C'est cool. Tu l'auras que. Non, 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 je déconne. J'allais dire tu l'auras que pour Noël, mais ma chaise, moi je l'ai. Et je vous ai pas dit au fait. J'ai eu un autre cadeau. J'ai eu la chaise, mais j'ai un autre cadeau qui m'attendra sous le sapin de la part de Eric. Mmh. Tu te rappelles même plus ce que tu m'as acheté? Tellement de trucs, tellement de trucs. Mais alors, tu m'as acheté autre chose. Non, tu faisais au pied. C'est pas les chaussures, c'est autre chose. Mais non, tu faisais au pied, chaussures. C'est un accessoire. Le dis pas, le dis pas. Moi, je sais ce que c'est. Et tu te rappelles même pas ce que tu m'as acheté? Ah, si, je t'ai acheté un sac. Oh, alors, qu'est-ce qu'on a pris très rapidement? Alors ça, il cherchait un fromage qui soit particulier en termes de visuel. Il m'a dit, je sais pas, c'est un Saint-Félicien. J'ai jamais goûté, mais c'est vrai que ça a l'air sympa. Ça, je lui ai dit de plus en prendre, c'est pasta box, là. Ça va pour dépanner, là, on va dire c'est pour dépanner. Moi, je me suis pris du gingembre frais, parce que le gingembre, c'est quand t'as les nausées, là, comme j'ai. Parce que là, ça revient, c'est très très bien. Il s'est pris son petit taboulé, voilà. Bien, un petit taboulé poulet dans crevettes. Quant à moi, j'ai repris les finement citronnés, les panés, excellent. Le chavroux, que je peux facilement prendre le matin aussi, c'est très bon. Deux packs de coca light et moi je me suis pris mon pack de d'Evian. Et je vais clôturer maintenant, alors évidemment, il sera beaucoup plus court par rapport au vlog d'hier, d'avant-hier de 15-16 minutes. Mais en même temps, c'était ma journée qui n'était pas, j'étais pas en très bonne forme. Le principal, c'est quand même qu'on partage tous les jours un petit moment du quotidien. Et je pense que c'est quand même chose faite. On se retrouve demain pour un tout nouveau programme. J'ai dans l'idée deux, trois trucs. J'espère que ça pourra se faire. Déjà, en fonction du temps, en fonction de moi, de mon état. Je vous fais un énorme bisou. Et bah, on se retrouve demain pour la suite des Vlogmas. Vous n'aurez pas vu beaucoup Eric, mais là, il est en vacances. Ça va être chaud, ça va être chaud. Allez, bisous, salut.